Durant notre séjour au Vietnam auprès des enfants, il est décidé de faire une escapade en Birmanie tous ensemble pour découvrir le pays aux 1000 pagodes d'or. The belt, pull the free end until it fits comfortably. To loosen it, pull back the release catch and adjust the buckle end. To unfasten it, lift the metal tab of the buckle. Durée de vol entre Hanoï et Yangon, 1h50. La Birmanie a été rebaptisée Union du Myanmar en 1989. L'ex-capitale Yangon comprend 5 millions d'habitants et beaucoup d'embouteillages. Nous ne perdons pas de temps pour se restaurer et déjà découvrir la cuisine birmane. Est-ce que vous savez comment on dit ? Ah merci, comment dire ? Le moineau. Non, Arthur. On est bien en Birmanie. Quand j'accorde deux morceaux de jour, de coups. Hein. Il y a du boulot là. Il y a plein de temps. C'est sympa ça. C'est bien présenté là, dedans. Juste pour... La Birmanie est un pays bouddhiste. L'architecture bouddhiste est particulièrement riche, diversifiée et chargée de symbolisme. Pagode est un terme générique pour désigner aussi bien stupa que temple. Les pagodes ne désemplissent pas. Une atmosphère particulière règne dans ces lieux de culte, taux de fréquentation hors du commun. Cette pagode est le site religieux le plus vénéré de Birmanie. La tolérance est certainement la religion commune à la mosaïque de peuples vivant en terre birmane. Tous les mois de l'année sont l'occasion de célébrations religieuses. Les pagodes sont le lieu de toutes les grandes manifestations. Bon, 700 kilos d'or hein, quand même. Tous les mois de l'année sont l'occasion de célébrations religieuses. Une vidéo. Les pagodes sont le lieu de toutes les grandes manifestations. This is a Tuesday. Tuesday. We have 8 days a week, not 7 days.
La date de naissance, jour de la semaine et heure, joue un rôle crucial dans la vie des Birmans, influençant leur personnalité et orientant leur destinée. Tout autour du stupa central sont disposés 8 postes planétaires qui représentent les 8 jours de la semaine. Mercredi compte pour 2 jours. On fait donc des offrandes au poste planétaire représentant son jour de naissance. Chaque jour est en outre associé à une planète, à un animal, ainsi qu'à un point cardinal. La monnaie officielle est le kyat. Les pièces n'existent plus. Le dollar et l'euro circulent grâce au tourisme. Sourire.
one in, it's bomb you one in. Moi non plus, je suis... Déjà célèbre pour ses pagodes, la Birmanie pourrait l'être aussi pour ses marchés. Les marchés sont vivants, colorés, photogéniques. On y trouve de tout. Artisanat, produits frais, textiles, etc. Les boutiques de bijoux en or attirent Birmans et touristes. L'or ici est considéré comme un placement financier. Le vendeur de bétel est là et un mâcheur s'éloigne. Tous les matins, les femmes se poudrent de Tanaka, leur secret de beauté. Il s'agit du principal produit cosmétique de Birmanie. Le Tanaka est un arbre. En frottant l'écorce d'une bûche sur une pierre plate et douce,
En y ajoutant quelques gouttes d'eau, on obtient une pâte pâle et jaune qui peut être appliquée non seulement sur le visage, mais aussi sur le corps, les bras et les jambes. On dit de la Birmanie qu'elle est le pays des 1000 pagodes d'or. Rien qu'à Bagan, on compte plus de 4000 pagodes. Tôt le matin, je décide d'arpenter les rues pour m'imprégner de l'ambiance, des odeurs et de l'activité de la population. Là, une mère de famille apporte le déjeuner de son enfant à l'école. Ici, les commerçants s'installent pour la vente du matin. L'ambiance de ce petit marché est surprenante. Il est déjà l'heure de découvrir l'enfilade de pagodes et de temples. Baisse ta main. Rita. Je ne me souviens déjà plus le nom de celui qu'on visite. Cathy et Andrea s'adonnent à la photographie des lieux. Arthur,
Rita, un peu en retrait, observe malgré tout l'environnement. Tourne, s'il te plaît. Descendez les mains, c'est pas tout le même. Tant d'affaires, il voudrait faire les petites. Même si le colportage est assez discret, nous n'échappons pas à la vendeuse d'articles et de t-shirts à l'arrivée sur le site. Alors, il faut que je me prenne ton masque. Arthur gesticule et parcourt gaillardement le temple. Philippe, un mauvais point. En Birmanie, ne pas pointer du doigt. Qu'est-ce que t'en penses, Fred, Phil ? Les tours opérateurs proposent des croisières le long du fleuve Irrawaddy ou sur le delta. Il y a une pomme dedans comme une feuille de quelque chose. De quoi? Une araignée. Sur la feuille. Oui, je crois qu'il est compté le nom de... L'offrande est une démonstration de piété. Pour les Birmans, c'est un geste naturel. Ils achètent des feuilles d'or. Les pèlerins collent ces pellicules d'or aussi légères qu'un souffle sur les statues en signe de dévotion. Dans ce hall d'entrée, Rita se détend, tout près du piédestal des deux empreintes des pieds du Bouddha. Oh, Rita.
un chinois qui est pas bien. Oh, je suis pas sûr qu'il est à côté de toi. Quel... Oh, c'est bon. Non, il n'y a pas de cela. Le travail de la laque vient de Chine. Cet art se perpétue grâce à des familles entières de baganes. La laque est réalisée à partir d'une résine de couleur grise, extraite d'un arbre. Cette résine noircit et se solidifie dès qu'elle entre en contact avec l'air. Pour confectionner un objet, l'artisan utilise un support en bois ou en bambou comme armature. Ce socle est recouvert de laque à plusieurs reprises. À chaque stade, un artisan intervient. L'un peint, l'autre polit. Puis entrent en scène les jeunes filles qui sont chargées de graver les motifs. Au magasin, les réalisations demandent des acheteurs potentiels. Stade Wonder Season. Je ne vais pas vous attendre là. Non, mais on va changer de Regarde les terrasses. Les terrasses sont juste au-dessus. Donc, voilà. Oh, la poule. Il est de coutume de se rendre sur l'étage d'un temple au coucher du soleil afin de s'imprégner des lumières rougeoyantes et d'apprécier les découpes des stupas, malgré la fatigue de fin de journée. N'est-ce pas, Rita? De l'autre côté. Tu tires pas vers nous, tu tures. Le théâtre de marionnettes birman est riche d'une trentaine de personnages qui, à travers des scénettes, représentent les scènes de vie cocasse. La marionnette est en bois de teck. Tout le travail du marionnettiste vise à insuffler la vie de ce pantin. Cette forme d'expression est de plus en plus délaissée par la population locale. Elle est entretenue dans quelques restaurants pour touristes. On va le remettre ou pas? Rien de tel que de s'octroyer un survol matinal en ballon montgolfière au-dessus du site de Bagan. S'élever au-dessus de la vallée,
et tournoyer autour des temples. Ok, dis donc. Thank you.
Chaque matin, la procession de moines, pieds nus mais armés de leur bol à moines, vont récolter leur déjeuner. C'est un acte de charité de la part du moine qui permet aux donateurs d'accumuler des mérites. Tout le monde donne en Birmanie. Ça fait partie du quotidien local. Libre à vous d'offrir un sourire ou une collation. La Birmanie est l'empire de la pierre précieuse, rubis, pierre de lune et lapis-lazuli. Un vendeur ambulant n'hésite pas à proposer un rubis à cette touriste qui tente de vérifier couleur, clarté, coupe et carat.